Je... Match. Voilà. Ok. Attends, bah au pire. Voilà. Hello. Bonsoir. Je suis un peu mort. Okay. Tout va bien. Audio. Accepter, créer. Merde, alors j'ai oublié quel perso je devais jouer. Laisse-moi juste checker vite fait. Il manque quel personnage dans Pas la grave. pyramide de la prophétie. De toute façon, tu préfères avoir le host ou je te laisse? Peu m'importe. Alors là, je suis indifférent, je t'avoue. Bon bah je le prends. Gladiateur, démoniste et chasseur de sorcières. Bon. Du coup, il manque trois classes avec lesquelles je dois terminer le désert. Je vais commencer par Allez. Y a moyen de faire un truc sympatoche avec ça. Ah, et d'ailleurs, vu que j'ai fait genre, j'ai monté mes persos niveau, etc., ma guilde elle est passée genre guilde célèbre. Et je suis à 1 100 000 et quelques de points. C'est énorme. Genre, tous les avantages que ça donne, c'est fou. Mon chien qui. Crie après les oiseaux. Hop là. Ah oh non, Twinkie. Tu te calmes. J'ai bu la potion que je voulais pas boire, que je voulais pas boire.
Non, NG plus 1? Je peux mettre un G plus 1, c'est toi qui vois. Oh non non non! Ouh, c'est compliqué, j'ai rien amélioré sur ce perso. Là, c'est Ça va être dur. un... C'est pas compliqué à changer. Ouais, il y a juste le bonhomme à aller voir là et dire bonjour, je veux changer. Cercle de volonté, grève du barbare. Ah bon, on va dans le désert, Phila, hein. J'espère que t'es ready tout ready. Voilà. Ça va pas être facile cette histoire. Cité de cailloux. Let's go. D'ailleurs, j'ai pigé un truc. Tu vois le... Genre dans la deuxième partie du désert là. Quand on est dans le... dans la pyramide, c'est dans une pyramide, je crois qu'on est. Il y a un dessin à faire avec les carrés là. Bah en fait là dans le désert, tu vas voir à un moment, il va y avoir une plaque par terre. Faut fouiller tout le désert bien sûr pour la trouver. Un genre de plaque en pierre avec un, tu vois, un signe, genre par exemple les signes tu vois le signe de la casserole là par exemple avec les étoiles. Oui, la radorce. Genre les machins comme ça en fait. Et en fait les symboles là, genre tu vas avoir une plaque dans le désert que tu as trouvé genre premier ou deuxième ou troisième niveau dans le désert, ça dépend. Et en fait comment dire, faut que tu t'en rappelles et après tu reproduis en fait le symbole et ça te débloque un succès. Puis ça te donne un item. En général c'est un item rare. Parce que pas un problème. Je prends la première carte. Comment? Je prends la première carte. Ça roule. Normalement, je roule sur tout le game avec les stats que j'ai actuellement. J'ai le loot un item en haut à droite. Allez. Épée large. Oh oui. Bon ça. Du coup, faudra aller à droite. Y a le tombeau d'ailleurs, là où je suis. Allez, va. Oh, ça commence très très bien. Ah et d'ailleurs le paladin c'est
Overcheat, c'est n'importe quoi. En fait, surtout dans ce DLC, genre ce qui va te faire mal, c'est les projectiles des genre les couteaux de lancer que tu vas prendre dans la tête. Sauf que le paladin, lui, avec son bouclier, bloque tout. T'es quasiment invincible. Sans compter le fait que bah t'as déjà beaucoup de points de vie de base. Tu fais beaucoup de stun. Donc ça empêche les mini-boss de t'envoyer de la malédiction dans le premier dans la première partie. Dans la deuxième partie. Et surtout t'as sa deuxième ou troisième compétence, il est pas de conneries. Qui te permet d'avoir de la régène de vie. Et de la défense. Magique. Donc en vrai. C'est n'importe quoi comment c'est fort. Accompagné d'un prêtre, je sais pas comment c'est fort, mais à mon avis, c'est intuable. Eh oui, je pense que du coup il parle des constellations à soi, donc Exactement, voilà. Oh là là, je cherchais le mot, je trouvais pas. Et le stylo, comment tu vas? Je t'avoue, je suis un peu lavé là, en ce moment même là. T'inquiète. J'ai dormi qu'une heure cette nuit et je suis KO, mais je tiens le coup. Ah, ça va, quoi de beau? Attends à droite. Ça me marche. Une boisson en haut à gauche. Eh ben, profite bien de tes vacances. Elle est énorme la map. Extended floor. Monolithe en haut. J'ai le marchand, je vais acheter sa map. Est-ce que je peux l'acheter moi? Ça ne mange pas. Déjà fait. Pas trop tard. Bon, aller voir ce qu'il propose comme item. Crypte à gauche. Ouais, plutôt sympa le jeu. Sauf le DLC de neige. En multi, ouais. Ah non, même en solo, c'est une infamie, hein. C'est le pire DLC jamais vu. Hein. C'est long, c'est chiant. Y a pas beaucoup de loot. Au lieu d'avoir 3 étages avant le boss, t'en as 2. Oh, horrible. Puis la santé, les dégâts des ennemis, le fait qu'ils t'appliquent. Certains t'appliquent du saignement. Ou. Oh merde, y a un genre de machin volant là. Je sais pas trop ce que c'est. Mais horrible quoi. Ça t'inflige ralentissement, faiblesse, machin. Faut passer par en haut du coup. Haut, ok. Je vais à la crypte vite fait. Oh là là, ça c'est bon ça. Je vais le prendre. Si voilà.
Je ne sais pas, ça fait quoi quand on déclenche une grande menace dans le désert là? Je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Si, si on se trompe de chemin. Ah! Mais vu qu'on s'est jamais trompé de chemin parce qu'on achète les cartes, ou même la dernière fois qu'on a eu de la chance, bah, on saura jamais ce que ça produira. Bon, je vais faire exprès de se tromper. Hein. Ça se trouve, ça va nous supprimer un item, ça va nous donner de la malédiction. Le jeu, il est vicieux, hein. C'est à toi de me dire si tu veux faire exprès ou si tu veux qu'on continue à jouer normalement. On va continuer à jouer normalement, hein. On va pas tenter le diable parce que je connais ma chance. Tu connais la mienne. Justement, c'est ça le problème. C'est vu que c'est moi qui en ai parlé, à mon avis, on va avoir le truc le plus horrible. Pourquoi je le sens bien. C'est surtout que si c'est moi qui choisis de quel côté on va, normalement il y a plus de chances à ce qu'on s'en sorte. Pas d'accord, parce que je suis dans le groupe, donc ça change tout. Hein. Tu l'as le gnome? Pas de mon côté. Ah! Laissez-moi tranquille. Il est de mon côté. Allez, va plus vite. Hein. Il est dans un petit renfoncement de cailloux. Juste là. Moi, il m'a donné un objet. Il m'a donné 6 minerais. Ça va, hein. Un peu radin, mais y a pire quoi. Et le marchand juste en bas. Nice. Tu veux que j'achète la carte? J'ai 4500. Comment ça, t'as 4500? Mais tu triches. Gold Fever. Je l'ai acheté. T'as de la chance. Attends. Je suis censé avoir de la chance avec le truc du monolithe, mais au final. Voilà, l'habitude Mais quoi. il y a chance et chance. C'est bien ça le problème. Là, je me sens un peu. Voilà. Donc le jeu il me respecte pas trop quoi. C'est décevant. Faire le plein d'or. C'est quoi le chemin? droite. Nickel. Ah, c'est bon pour moi. Non. Alors, moi que t'aies trouvé un coffre. D'ailleurs, j'avais trouvé un coffre tout à droite, si je dis pas de bêtises. Pas de tombeau. Autocoffre. Tu vois pas un item sur la map, par hasard? Je sais plus où je l'avais déterré. Ah, c'est si tu l'as déjà ouvert, alors c'était en haut à droite et je l'ai déjà pris, c'était une curious box. Ok. Bah, je pense que voilà, hein. C'est parti, on va l'arracher. Quand j'ai plus, il est juste long à tuer. Très résistant en fait, c'est ça le problème. Il a toujours la tête dans la terre donc bon. Ah, puis il se barre hors map, bien sûr. Ah, ça c'est infernal, il devrait le nerf ça. Pas d'item, hein. Non, toujours Ça, pas. en vrai, ça fout un peu le seum, hein. Il y a deux items. La qualité. Le connais par cœur maintenant le DLC, je te jure. Ah, la map est toujours la même. Ouais. En règle générale, ouais. D'ailleurs, t'as pas trouvé de constellation par terre. Hein. Ah. J'en ai pas trouvé non plus.
Bah, rip. Et bon, y a plus rien. Ah bah quoi. C'est un peu triste là, je sais pas. Hein. Faudra qu'on tente au hasard. J'en connais quelques-unes qui existent. Qu'on peut rentrer, mais. À peine on passe. On va voir si ça passe. Encore! Winky, s'il te plaît. J'ai une fontaine de mon côté. J'ai pas le gnome de mon côté d'ailleurs, hein. Je l'ai pas encore trouvé. J'ai non plus. Ah si, de mon côté, pile sur moi. Voilà, Des allez. minerais, 11 minerais, c'est qualitatif, ça fait plaisir. Les minerais, c'est toujours utile pour les statues. J'ai la crypte en haut à gauche. Qu'est-ce qu'on a de joli là-dedans? Oh, le dernier anneau de régène. Feu et glace. Non, alors tu t'arrêtes gros, hein. C'est bon. Ah! D'ailleurs, les trous dans le mur là, que tu vois, en fait, C'est des c'est points par là d'aspawn pour que. les serpents. Ouais, exact. Aurais dû mettre les pièges doux en vrai. Je sais pas si les amis. Je ne crois pas, je sais pas. De toute façon, ils sont pas déjà trop violents. Oh, je trouve en vrai, tu sais, tu te prends un écrasement, un caillou, t'es mort. Donc, ouais, ça tape fort. Et toi qui aimes bien jouer archer, je te conseille fortement le voleur. C'est insane. Ça se base sur l'esquive, c'est ultra mobile. C'est un grappin qui stun les ennemis, une bombe fumigène qui stun les ennemis et qui te donne de l'escape. En vrai, c'est monstrueux. Il y a un Tu peux coffre foncer dans des à hordes droite. d'ennemis sans prendre de dégâts. En haut, il y a un truc qu'on n'a pas fait. Je crois, je suis pas sûr. Alors, il y a juste Ah, c'est juste quelques un spawn de ennemis. serpent. Bon. En avant, Guingamp. Oh, si je me cogne tous les murs. Hop là. Marchant en haut. Je ménage actuellement. Sarcophage un peu plus à gauche. Ok, moi j'ai trouvé un secret. Qu'est-ce qu'on a de joli là-dedans? Un peu de luck. D'ailleurs, j'ai déjà obtenu un item rouge là, tu sais, avec le truc de chance.
Item rouge était pourri, mais. Au moins, tu verras dans le secret là, il y a un objet vert. Ok. Super, voilà, let's go. Rapidement, machin. D'ailleurs, n'hésite pas, hein, y a des clés par terre. Si jamais t'as moyen de choper une petite clé rouge là, ça peut être sympathique. J'ai pas l'item qui fait le 50%. Bah, j'ai vu que tu l'avais pris tout à l'heure. Tu dois être aveugle. Hein. Attends, non mais je vais voir. Hein. Mais... Si, si, tu l'as. Si je venais, je vais chercher maintenant. Y'a rien d'autre là? Non. Malheureusement non. Bon, c'est parti. Franchement, mon personnage il est trop bien joué. Hein. Quand j'ai monté toutes mes classes là, c'est tellement puissant. Ta triple flèche, ça fait tellement de dégâts, ça nettoie une salle en un tir. Ouais. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à m'en séparer, parce que c'est tellement efficace et sympa. Ah, crois-moi, y'a mieux. Hein. Ah oui, ça j'en doute pas. Mais en termes de dextérité, esquive... Attaque de zone, tout ça, perso, je m'éclate à mort avec l'archer actuellement. Je suis sûr que le voleur l'adorera aussi, c'est une certitude. On verra. Ah la vache, tu passes Ça y est, flash, le bordel. Ok. Oh, petit secret là. Il y a une forge magique en bas. Enfin, un four magique. Ok. Ah, j'ai bouffé la malédiction. Ah.
Il reste plus qu'un bas à visiter, on aurait fait le tour. Et à gauche. À gauche, c'est la fin. Peut-être qu'il y a un chemin alternatif. J'ai le feu de foire. Bon, d'accord. Celle-là, je te l'accorde. Ah! Ah, maintenant je l'ai aussi le Fog of War, voilà. Incroyable. D'ailleurs, tu peux voir le jeu en français, tu veux. Ah bon, ils l'ont enfin mis? Bah, sur le workshop, il y a un mode où bah, ils ont tout traduit en français. Genre, vraiment Ah, tout. d'accord. Mais c'est bien traduit, hein, sincèrement. Je trouve que c'est bien foutu. Je verrai Tu plus l'installes, tard. t'as juste à aller dans les langues et après t'as le jeu en français. Je verrai plus tard. Et merci pour le raid, Tonton. Comment ça va? Comment s'est passé ton live de ton côté? Hello, t'es bien sur le live, comment tu vas? Ah! Forcément. J'aurais dû Ouais. attendre. Hello, Wolf Draw, comment tu vas? Meurs, 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 meurs. Ouais, Oh, d'accord. mais c'est trop bien tes projectiles! Les crânes, tu les casses avec tes flèches. Oh mon dieu. C'est ça qu'il me fallait depuis le début. J'en veux plus. Ah, les persos corps à corps qui prennent leur race avec ça, je te jure, c'est n'importe quoi. Soit dit en passant, corps à corps, c'est vraiment super puissant. Mais oh mon dieu. Tout T'as ce qui est essayé de passer du coup? projectile quand tu te le prends. Je D'ailleurs, il y a suis une sur clé là-bas. Comment on fait? Attends, Phila, t'as pas besoin. Viens voir. Ouais, je sais pas ce qu'il faut faire, juste le tour. C'est Ah d'accord. Et là, on a tout l'argent. Et t'as dessiné quoi du coup cette fois tout... Bête en vrai C'est quoi la ça? clé. Comment on fait? Il y a forcément un passage. Le secret. La commune a demandé à un civique qui grouille. Oh, adorable. Je vais prendre la fontaine vite fait, puis. Trouvé. Quoi? Bon, je saurai. Maintenant, il y a un secret là, tout le temps, au même endroit. J'arrive. Oh, t'inquiète. Pas très violent, pas très joueur. Oh putain, à droite, il y a tout le monde. Monolith, je sens Voilà, direct à gauche. Allez,
perce l'armure. Bonne journée. T'as le droit de le dire si tu triches. Je t'en voudrais pas. C'est quoi ce qui m'a tué? Y'a quoi qui fait des lasers? Les tourelles. Attends, des lasers, tu dis? Bah, je crois. Ouais, c'est ça, c'est eux. Ah, les... ceux qui font de la glace. Attends, je vais juste cleaner ça parce que je t'avoue que. Ah, je suis misé au poison, c'est vrai. D'accord, donc ce sont ces mages là, ok. Oh, bah, attends, mais ça fait... Ah, ils sont chiants, ils te ralentissent en plus. Ah, d'accord. Bah, merci de jouer, du coup, Puro. Bienvenue tout le monde sur le live. Hello Wayzone, bienvenue sur le live, comment tu vas? Hello et bienvenue Tétain. Et du coup, hello Puro, comment est-ce que ça va? Comment s'est passé le live? C'était sur quoi? Ah, d'ailleurs, du coup. J'ai soigné. Ah, oui, non, mais par contre, oui. Voilà. SO. Même si du coup elle était sur du dessin, comment c'est fait, et après on a Puro le loup. Attention, grande menace, grande menace. Il y a les génies qui en spawn. Just chatting, donc t'es en train de parler. Et ça faisait quoi du coup avant? Discussion en ligne. Ah d'accord, juste parler. Ok. Bon bah, j'espère que ça s'est bien passé de ton côté du coup. Oh, tant mieux. Ça parlait de quoi, grosso modo? Marchant tout à droite. Ok. Oh, ils sont arrachés, mes petits soldats, c'est n'importe quoi. Ils servent à rien. Mettre trois coups, ils meurent. Oula, il est méchant lui. Il y a un coffre à droite que j'ai ouvert. Ah, d'ailleurs, Phila. Oui. J'ai une bonne nouvelle. Oui. J'ai reçu un mail du coup pour la livraison de mon ordi là. Et j'ai enfin un lien de suivi. Ah, nice. Je suis la joie. Je m'étonne. Je vais pouvoir jouer à Heroes of Hammerwatch sans aucune latence. C'est incroyable. C'est quoi ça? Ah, de l'argent, ça fait plaisir. Coffre à droite. Je disais, il y a un vendeur. Alors il y a un vendeur en haut à droite et il y a un coffre en bas à droite, mais il faut passer une épreuve. Ok. T'as combien de malédictions, hein, dis-moi? J'en ai plus. Ok. Amulette. Dague de la reine. C'est pas mon clavier qui fait nappe. T'inquiète. Oh, pierre. Bon bah, si ça s'est bien passé dans tous les cas. Ouais, moi là c'est des mobs de glace qui... Les mages de glace qui me font plus de dégâts. Ah mais ils sont chiants, sincèrement, ils te ralentissent et du coup à cause de ça, tu perds toute ton inertie et tu prends absolument tous les projectiles dans la tête. Ah juste c'est vraiment ça le petit détail. Moi c'est rien que le rayon de glace me fait énormément de dégâts en fait. T'as combien en résistance magique? Je dois pas avoir beaucoup mais attends je te dis après puisque actuellement je suis... résistance. Bah t'as 60 pourtant. Ouais. Je sais pas. Cadeau inattendu? De mon côté. J'arrive. Le plus vite que je peux. Et où est-ce que t'es donc? Allez, j'envoie 26 000 à la ville. Ah oui d'accord, il est là. Moi, il m'a donné ton or, littéralement. Genre, t'as envoyé, moi j'ai récupéré. Ah ouais, tu me le voles comme ça, je retiens. Bah, c'est bon, t'as de la chance.
Ah mais j'en ai besoin quand même de cet argent. Moi aussi j'ai des améliorations à faire après. Ça va. Ah tiens, c'est bon. Hein. Ouh. Fait mal. Ok, j'ai ouvert ça. Un petit secret, normalement il devrait y avoir un petit item, j'espère. Y'a rien du tout. Voilà, la déception. D'ailleurs, j'ai pas compris comment elle s'activait les statues là. Va falloir parler, non? Non, non, tu sais, les petites statues. Ça se passe, tu passes à côté, non? Non, même pas. Parfois oui, parfois non. Ou... J'ai l'impression que c'est quand tu casses des pots. T'auras beau les taper dans tous les sens, les trucs qui vont pas bouger. Tu casses un pot à côté et ils aiment pas. Après, ils sont vilains. Je sais pas. Je comprends pas le fonctionnement. Et du coup, on a. Elle va piquer. Ça va piquer. Putain, la grande menace qui fait mal. Oh la vache. Ah là, c'est plus une seconde. Ok. Bocle de ferme. Du coup, a priori, c'est bon, non? Bâton luminescent. Hein? C'est bon? Quoi donc? Pour l'étage. Je sais pas. Je crois que en bas à gauche j'avais vu un truc. Je suis pas sûr mais. Ah non, tu l'as clean. Bah oui, il y a un item. Oui. Faut que j'aille le chercher. Sans me prendre les rayons laser. Oh là là. Ah, je me suis retiré un plus un 5 en. Ah d'accord, j'ai cru qu'on avait eu la poisse. Attends pour moi. Moi je suis allé me chercher un plus 4 en luck pour 11. Encore de... Oui. Mais pourquoi t'as autant de chance? Pourquoi pas. C'est de la triche un peu hein. Mais ça faut pas le dire. Surtout en live. Oui oui. Ça me fait pas de dégâts les rayons en laser en fait, ça me chatouille. Toi. Ah mais je sais pourquoi. Pourquoi? J'ai fabriqué une statue en gros qui me donne 20% de chance de bloquer les projectiles en règle générale et je pense que ça rentre dedans. Attends, il y a un item en bas à droite. Je vais pas passer par la malédiction parce que je me connais. Excuse-moi, ça va prendre un peu de temps. Prends ton temps. Tiens. J'arrive. Ah mais non, en fait, c'est que j'ai pouvoir protecteur, moins 50% de dégâts subis, en fait, c'est pour ça. Ça explique peut-être les choses. Ah. J'ai gagné un level. J'ai. Yes. Je suis niveau combien? Ok, je vais sur la gauche direct. Ah oui, y a plein de trucs à gauche. Non! C'est le jeu qui s'est fermé tout seul. Non! Je crois que le surplus d'ennemis a fait crash le jeu. Le surplus d'ennemis a fait crash le jeu. Est-ce que tu veux que je host la game?
Ça changera rien de mon côté, mais c'est toi au motivateur de pouvoir continuer ta run. C'était vraiment genre il y a trop d'ennemis, le jeu il t'a dit non? Je pense. Oh la vache. Parce que là, j'étais en train d'avoir de sérieux lags juste avant que ça crache. Ouais, genre. Bah écoute. Donc sinon, faut juste ne pas prendre le fait d'avoir trop d'ennemis. Ou ce qu'on peut faire, on peut faire des tentatives pour le NG plus 2. À la limite. Dans tous les cas, je te laisse créer par précaution. Parce que si moi ça recrache, autant que toi tu puisses cocher la run. Ouais. Après, c'est toi qui as payé, donc en soi, voilà. J'ai payé que 500. Mais surtout que moi j'ai. Avec les imps, du coup, j'ai pu poser facile 30 000, hein. Ah, tranquille. De mon côté, tout va bien. Mort-vivant, aberration. Ah, ça, le follet rouge. Et du coup là le jeu n'est pas. Si le jeu est de retour sur OBS ou pas? Si c'est bon. Je vais changer mes statuts. Fais-toi plaisir. Il y a certaines statuts. On repart dans le désert du coup? Non. Ah non. Infligez aux ennemis qui brûlent. Ajoute 5% de votre résistance à votre puissance de compétence. J'ai acheté 10 clés de chaque et je vais me racheter mes potions.
Je vais partir là-dessus. Merkelein, comment tu vas? En vrai, je vais tenter ça. Tac. On va être en NG plus 2 du coup. Ok. T'as pris des clés? Ou pas. Toujours 10 de chaque. Quand je prends mon stop, je prends toujours les 10 clés en plus. Hein. Pas de soucis. Est-ce que j'ai les bonnes statues là-dessus? Et 20% plus rapide, bloquer la plupart des projectiles. Ça, c'est grave utile. De geler. Ça, je vais changer. Au lieu de geler, je vais infliger des dégâts aux ennemis brûlés. On est bien en NG plus 2. Bah écoute, moi, je suis prêt. C'est bon de mon côté. Bon, ça va du coup avec Markerline. Ah oh putain, c'est mon familier. Oh là, je ne prends une douche, sinon ça va. Eh pas nice, profite bien. Il y a une teinture sur la droite. Je sais pas si elle apparaît D'accord, pour en toi haut. aussi. Oui, je la vois à droite, pas loin d'une monolithe. Exact. Alors, en haut, petit coffre. De temps en temps, avec mon attaque principale, je tire trois flèches. Ah ouais, c'est la statue de l'archer, ça. Vraiment pas D'accord. malin. Pour le coup, franchement, en plus, ça augmente ta vitesse d'attaque de 20%. C'est vachement fort. Bah, c'est toi qui l'as mise alors, je suppose. Ça compte aussi pour toi? Bah, apparemment, parce que moi je l'ai pas. Dans quoi? Ouais, effectivement, dans les effets, j'ai celle de Kira. Bah t'as également 20% de chance de bloquer les projectiles. D'accord. Mais ouais, Kira, c'est super puissant. Ça, en fait, ça clear tellement au niveau des ennemis.
Je ressens Comment au niveau déjà du bien. des trash? Les dégâts sont pas. Je dirais pas que c'est exceptionnel au niveau des dégâts. C'est viable. Hein. Pas dégueulasse quoi. Par contre là, au niveau de la chance, je suis déjà à 5 chances. Franchement, pour une fois, je suis bien. Il manque plus que le chapeau de la chance là qui me donne 4. Après, je suis royal. Je suis à 7. Bon. Ah J'ai l'habitude. Je sens que cette run va être ardue. voilà. Je sais pas, j'ai l'impression de chatouiller les ennemis. Que leurs points de vie sont beaucoup trop élevés. Après, moi, à côté, j'ai pris la potion qui fait que je fais 75% des dégâts en plus avec mes spells, mais ça coûte 50% de plus. Ça fait mal quand même. Mes dégâts aussi, ils font mal. J'espère bien. Pas Antenne à fort. droite. Vraiment pas grand chose en loot. Fou. Un coffre en haut. Je vais aller chercher la fontaine. T'es allé au marchand Oui, j'ai déjà acheté mes 30 objets. Ok. Plus 1 chance avec 10% d'or, la sphère de mana et Toujours plus. l'anneau de mana que j'ai amélioré tout à l'heure. Toujours plus, bien sûr, évidemment. Ça va, je suis qu'à 8 en chance. Oui, ça va. Ça va, ça va. Ça va et toi? Ouais. Par contre, il y a un truc sur lequel je te surpasserai toujours, c'est la régène de vie. Alors ça, c'est que jamais, au grand jamais, tu pourras avoir plus de régène de vie que mon perso. C'est impossible. En vrai, ça va, on lui fait des dégâts, hein, je trouve. Robe de mage, oh là là. Plus 20 mana, premier item de 7. J'augmente encore un peu mes dégâts magiques. Pas mes dégâts de sort. Attends, t'es à combien là en dégâts de sort? Pour moi, t'es à 79 en dégâts de sort. Déjà pas mal. Car c'est C'est vrai. 79 fois 150 000 vu que je tire mes flèches n'importe où. Petite fontaine en haut à droite en Droite. éveil, ouais, je
je sais plus parler. T'inquiète. Hein? En haut à droite. On est d'accord, on n'a jamais fait le NG plus 2, hein? Non, c'est la première fois. On a débloqué que très récemment en plus, la NG plus 2. On était débloqué sur la NG plus 1 déjà de base. Ouais, je trouve que ça va, on s'est amélioré. D'esquive. C'est ça, une attaque de skill. À 99 du coup. Oh, il y a une teinture. Bah là, si je recrache, c'est normal. À ce point. je recommence à avoir des chutes de FPS parce que justement, il y a énormément de trop d'ennemis. Écoute, je vais te donner mon ordi que je vais recevoir. Ça va plus vite. Voilà quoi. Si même mon PC actuel n'arrive pas à crash. Moi, c'est Après, juste je trouve que j'ai du mal à lancer des lives. le. C'est juste le jeu qui se ferme d'un coup, hein. C'est tout. Secret en haut à droite. Échange. Ok. Peut être sympa ça. Je trouve pas le bouton. C'est bon. Là, l'objet qui t'attend tout en bas, à côté de la sortie. Ok. Oh yes. Le bouton, à mon avis, doit être un endroit débile. Alors, je suis passé à côté 15 fois, je l'ai pas vu. Là, ah ouais, bah voilà, je l'avais dit. Item à droite. Là, je commence un peu à me faire en niveau armure, je sais pas toi, mais ça commence moi. Armure, je suis à moins 15. Hein. Je suis déjà à 22 moi. Eh ben, je suis à 0. Le problème du NG. En fait, plus tu montes en difficulté, plus il te retire de la défense. C'est ça te casse ton perso en deux, c'est n'importe quoi. Bon, sauf les classes tanky ou qui ont de l'esquive, mais bordel. Amulette de vengeance, sympathique.
Autant. D'ailleurs, est-ce que tu savais que l'archer, en t'attaque en instant statique et que ton attaque primaire t'attaque plus vite? Moi je l'ai découvert il y a peu de temps. Petit marchand en haut. Crossbox, sur mana. On tire en premier, c'est pas grave. Je suis en train de spammer mes potions. Garde un petit peu hein, quand même. Ah non, il y a une fontaine. Oh. En plein milieu de la salle en haut, il y a une fontaine, donc non. Je peux en garder. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un objet à droite. Une seconde. Ah oui, j'ai oublié de te prévenir pour l'objet à droite, my bad. Ah. J'ai vu, je l'ai récupéré. Ah non, on peut s'en aller. Yes, je suis déjà à la sortie. Et mon loulou. T'as quoi dans la bouche, mon gros? Un truc dans la gueule, toi? Allez, bonhomme. Aïe, aïe, aïe. C'est parti. Je tank tellement fort. J'ai enfin l'impression d'être efficace. Je pense que c'est vraiment depuis que j'ai fait toutes mes classes level full. À ta chance. Ça me donne tellement de stats. J'imagine pas les dégâts que je ferai plus tard alors quand j'aurai fait la même. Bah, je te dirais que c'est surtout au niveau de tout ce qui est résistance, quoi, hein. Tout ce qui est armure, résistance. Et RGM. bah, il y a les dégâts critiques de compétences, dégâts critiques tout Total en court. fait tout simplement. Ouais, en gros. Et quand tu termines en NG+, avec un personnage, tu gagnes encore des stats supplémentaires. Un coffre à l'entrée.
Vachement résistantes les statues. Ça va. Je tank beaucoup, mais je fais pas beaucoup de dégâts par contre. Enfin, je fais beaucoup de dégâts de zone quoi. J'ai pas mal. Et... Tu m'as dit qu'il y avait un coffre. À l'entrée. À côté de l'entrée, t'as une salle d'épreuve à faire et en fait, juste quand tu rentres, t'as directement le coffre, enfin, l'objet. Bah, a priori c'est clair, c'est à rien de ton côté. Nada. Eh ben on peut y aller. Pas trouvé un secret quoi. Encore une fois à gauche de l'entrée. Qui traîne pas loin. Mon volume il bug tellement c'est. Il y a des ennemis. Ah, j'ai la belle. Je peux level up du coup vu que j'ai vu qu'on a fait le NG plus 1. Bonjour.
vie, ça fait toujours du bien. Eh ben y'a plus rien. Je suis déçu. Ouais, magasin. T'as acheté au magasin? Ah, trop tard. Ouais, moi j'achète toujours quand je passe à côté, comme ça c'est fait. Objet en haut à gauche. Actuellement, je suis poursuivi par quelques fantômes. J'ai beaucoup d'amis à te présenter si tu veux. J'avais après, hein, comme je dis, je suis encore en train de m'occuper de fantômes et trucs dans le genre. Ok. Ouais, j'arrive. Oh mon Dieu! Je suis mort. Si nullement. Ah d'accord, bah écoute, on va s'occuper de tout ça là. Le pire c'est que je gérais mon truc, mais en fait, j'ai de choc et j'ai vraiment. Enfin, j'ai fait le débile et j'ai foncé tête baissée dans la horde d'ennemis. Je suis mort instantanément, ce qui est vraiment logique. Cadeau. Un millier. Je te promets pas de faire des miracles, hein. Je te demande juste de faire attention. Faire de mon mieux.
me construire un item. Je vais pas faire la même. Non, c'est pas ce que je veux. Cercle de volonté. Eh ben, on peut y aller. Boss. La vache, des sacs, PV. Drainer la mana aussi là, c'est vraiment pas pratique. Le problème, c'est la mana surtout là. Aussi, hein. Avec le paladin, tu peux bloquer tous les projectiles. Tout. T'es tellement puissant sur cette zone avec le paladin, c'est n'importe quoi. Un item tout en bas. J'ai pas ton portail. Vas-y, viens, je vais te soigner. T'inquiète pas, c'est bon. On ne sait jamais. Faut Non, je prendre fais des attention. précautions. Moi, le pire truc, en fait, c'est les ennemis. C'est vraiment pas le... vraiment pas les pièges hein. Ah, je sais, hein. Même les yeux, ils sont puissants. Ah non, moi c'est juste les boules de lumière. Vraiment, il y a que les boules de lumière qui sont chiantes hein. Le reste ça n'existe pas pour moi. Ah, j'ai besoin d'une clé en or, j'ai pas de clé en or. Ah là Voilà. là, en haut à gauche. Je sais plus quel portail j'ai pris. Passé par en haut.
Le quoi? Puissance d'attaque. On allait à la droite. Ça a révélé un coffre en haut. Et j'ai pas de clé. C'est un coffre en argent. J'ai toujours à peu près une dizaine de clés de chaque. Ouais, je T'inquiète. sais, c'est pour ça que je dis ça. Et j'ai un item encore en bas. Il y a un monolithe en bas à droite et un peu plus à gauche, t'as un item. Ok. Un poteau ici, c'est la plus mal, non, voilà. Oh, je t'attends à la sortie. Ok. Ok. Oh, l'item est pas fou. Monolithe, s'il vous plaît, un truc bien. Régène de santé à fond alors que j'ai déjà de la régène de santé à fond. Ah. Allez. Petit shop en haut. Let's go. Je viens maintenant. Hop. Botte de vitesse sphère de l'apothicaire. Les boutons. Si tu prends le petit portail là, juste après, juste avant là, il y a un coffre en argent. Ouais, j'arrive. Avec de l'hypnotisation. Non, ça je m'en fiche clairement. Tu cheats partout, tu vois, hein, c'est fou ça. C'est Hop, on est surtout délié. que je... Ah, nice. Je prends H24 le... La boisson qui fait que tu ne peux plus être touché par la confusion. Merde, j'aurais dû la prendre maintenant vu qu'on est en NG+, le boss il fait de la confusion. Ah bah je suis désolé Phila, mais on va souffrir ce boss. Mais non, Je vais devoir c'est jouer normal. très safe. Histoire de pas bah de pouvoir te soigner en fait, d'être en capacité de pouvoir t'aider quoi. T'inquiète. Ah ouais, non, mais moi cette potion c'est un réflexe. Même si on va dans la pyramide, je le prends par précaution de si on repart en normal après. Il y a des ennemis qui le font aussi, ça. Une Confusion, je raison de crois. plus. Ah, mais moi je prends H24 parce que c'est ignoble d'avoir les contrôles inversés pendant, même si c'est que 2 secondes. Ensuite, t'inverses dans ton cerveau et bah au final, après, t'es obligé de te remettre normal. C'est enfin, c'est compliqué quoi. Cadeau inattendu. Let's go, mais où est-ce qu'il est ce petit nain? Juste en bas, je l'ai. Le Attention, il y a muflé. plein de machins magiques de la mort qui tuent. Il m'a donné de l'argent! M'a donné que une clé de chaque, mais même pas de la rouge. Oh nice, on a le coffre en argent là au milieu, on peut y accéder avec le chemin de verre au-dessus, sans prendre les piquages.
Un combo qui se trigger quand j'utilise une proficiency. Ça va. Bien moche qu'elle était encore en train de se promener tranquillement comme si de rien n'était. Je l'avais pas vu venir. Moi non plus. Là, clairement, je te... Bof, tout va bien. Je quoi? Et attendant. Et tu meurs instantanément, on perd la game là-dessus. Heureusement, j'esquive, hein, parce que là, sans les esquives, je pense que j'ai passé, ouais. Parti, avant-dernier étage avant le boss. Enfin, dernier étage avant le boss. Oh là là, je deviens. Et bah ben, là ça sera le vert qui arrive. Manque la baguette magique. Il va me manquer. Elle est où? La baguette magique. Je sais que je l'ai dans mes crafts, mais je sais pas où elle est. Tu peux avoir un plus 1% de chance d'avoir un une recharge de potion quand je fais un kill. En vrai, je prends. Pas mal. Bon, j'ai eu les compétences coûtent moins 2%. Mais les orbes, c'est infâme. Totalement. C'est pour ça que j'ai évité de rester trop longtemps à côté. Hein. Non, bon, Quoi? à voir. Laisse-moi le temps d'arriver, t'inquiète. Ah là, je t'avoue, j'ai Je fais, t'inquiète, laisse-moi le deux secondes. cerveau embrouillé. Non, t'inquiète, t'inquiète, je t'attends. Juste un peu clair. Tu peux éviter de... 1, 2, 3, 4, 6. T'avais l'air de l'avoir suivi. Ah putain, c'était bas droite au... Oh, c'est pas grave, on a eu un item vert, c'est bien. En fait, comme je suis en décalé, moi j'étais en train de bugger mentalement. Je... Attends, quoi? Quoi? Oula. Ah, les orbes rouges, ils font trop de dégâts. Bonjour. Vu que j'ai une attaque de zone, je me mets dans le coin des maps comme ça là. Enfin, le coin des murs, ça marche trop bien.
Avant, j'en ai déjà utilisé. Ah, mais il y avait une boisson à côté du livre là-bas. Ah oui, j'ai oublié de te le dire, je suis désolé. Ah. J'oublie tout là, je sais pas, je suis fatigué. Bah, pire, après cette run, toi, tu vas aller te reposer. Il y a des chances, ouais, que genre je me pose dans mon lit et je me réveille à 1h du matin. Non. Trop content, je viens de recevoir un succès Steam là. Ah, lequel? Un succès tout bête. Genre détruire 10 000 constructions. Ah, C'est c'est cool. long, mais c'est gratifiant de dire que j'ai réussi. Vais chercher l'accès en bas rapidement. Ici, il y a un secret. Hop, un dard. Ah la vache, par contre je fais mal avec mes attaques principales. Ouais, du coup je t'avais dit le secret là à droite. Je vais me réveiller pour au moins terminer la run. Là, on commence à atteindre les boss les plus chiants. Ouais. Oh merde, excuse-moi. Surtout celui-là en fait. Pour moi, selon moi, vraiment c'est lui le pire en termes de boss. Autant Dracula, franchement, ça va. Et je pense que en vrai, genre les debuffs de saignement vont pas être si terribles que ça. Mais lui, là, ah, il a plus de confusion, feu, tout. Il a activé un Great Threat là. Ça va, on gère. Deux, ouais. Après, c'est rejoint pour droite. Oh, mais du coup, j'éclaire toute la pièce comme ça. Oh là là, mais c'est trop bien. Ça dure pas très longtemps, mais. Le revoilà. Par contre, il a 4 orbes autour de lui là. C'est bien chaud patate! Je suis en train de te heal en inversé. Hein. Encore une fois, en inversé. T'inquiète. Je régène la mana absolument là. Faut que j'en abuse de mes potions maintenant que j'ai la personne de chance de récupérer une charge quand. Je vais les killer là. Ok. J'ai pas vu lui, c'est pas un câlin là. Termine-le! C'est bon.
Bien joué. Ah, c'est tout qui m'aide Là, à c'est niveau respirer le plein plein 29. vie, hein. En vrai, je trouve que mon soin il est super efficace. C'est dommage que tu joues pas une classe tank, quoi. C'est. Ah, je le dis toujours, hein, mais bon, c'est dommage. En attendant, je fais les dégâts. Bien sûr. Mais avec le chevalier aussi, tu fais énormément de dégâts au cac. Mais du coup, faut que je l'augmente cette classe. Fente à la droite. Yes. En bas, juste aller chercher tout ce qui est thunes. Petite fontaine, je vais l'utiliser comme ça. Voilà, pas de lézard. Par contre, là, waouh, le nombre d'ennemis. Là, mon PC va prendre tarif surtout. Écoute, on va y aller petit à petit, et puis voilà quoi. Bientôt plus de mana, fais gaffe. Pas de soucis. Prends la grosse boule en bas à gauche. Hein. Ah, je me suis fait avoir par leur machin là. Le pire, c'est les mini-boss en fait. Il y a du mana là. Ouais. Qui fait d'entendre le petit bruit de potion en mode t'as une nouvelle potion. Ça arrive souvent. Bah vu qu'il y a 150 ennemis à la seconde, ouais. C'est ceux qui font les vagues vertes au sol aussi, ils font mal. Oh là là. Voilà, bon, moi je vais aller chercher le coffre doré en haut. Yes. Voilà. T'as vu quelque chose, toi? Non. Voilà. Je vais mourir avec le piège. Voilà quoi. Non, c'est dans la tête. Je suis pas sûr, hein, dans Heroes of Hammerwatch c'est assez expéditif en général. Hein. T'as l'écran de fin qui se fait directement, genre. Le jeu te prévient pas vraiment, donc bon. Non, c'est dans la tête. Vu que ça vient trop vite. On verra, hein. Oui, je suis en train de chercher un peu les problèmes actuellement. C'est-à-dire que actuellement mes potions je les utilise que pour la mana, même pas spécialement pour la vie. Hein. On gagne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les potions. Question. Ah, mais.
Bah, en fait, j'ai à peine le temps d'utiliser. Voilà, là, j'ai utilisé à peine la potion, je la récupère instant. Ah bah d'accord. Là, il n'y a que 1% de chance normalement. Là, je viens de l'utiliser. J'en utilise même deux pour être sûr. Grande menace, Dracula, fais gaffe, ouais. À mon avis, là, ça va être une autre histoire de Dracula, hein. Putain, les saignements qui piquent. Ah, j'aurais pas dû à la gauche. Je pensais que t'allais à la gauche. Mais si, t'inquiète, c'était juste qu'il y avait 2-3 ennemis juste au-dessus en fait. Ok, ça va. Je me rends Non, compte d'un moi. truc, on gagne tellement d'XP. En 30 ennemis, je me suis fait 3 charges. Oh la vache. Anneau de mana, je prends. Je prendrai les clés du coup pour essayer d'avoir le 50%. 50%. Pour Ah avoir une oui. clé supplémentaire. Immortal. Augmente la régène de mana, je suis à 28 en régène de mana. Augmente l'armure. Il y a un coffre à gauche, un coffre en haut. On est bien quoi. Pourquoi ça je le prends pas? Je vais officiellement pouvoir spammer mon rayon. On t'est prête? 1. Vitesse de compétence. Oh! Retire la pénalité de mouvement. 3, 2, 1. Yeah, nice. J'ai plus aucune pénalité de mouvement quand j'utilise ma compétence. Nice. Bon, ça arrêtait pas de me stopper. À gauche, il y a un coffre en or. J'arrive. Mais c'est magique. Regarde, je suis tellement rapide. Ah oui, d'accord, y'a... Quoi que j'ai eu? Oh. Maintenant je gagne 3 minerais par 3 minerais, c'est sympathique, mais bon. Si j'aurais pu avoir ça plus tôt dans le jeu. Je passe à cette corps à corps, je sais, mais c'est tellement drôle. Ah, tu peux te permettre là, hein. La régène de mana que j'ai, le coût de mes compétences en moins en plus. Ah, Ouais. franchement. Bon, bien sûr, hein, faut être un minimum vigilant, pas contre une horde d'ennemis parce que voilà quoi. Hein, mais bon. Oh, sinon, ça va. Rien. Pas un secret dans le coin, y'a rien. Juste de la thune un peu.
Le niveau 30, c'est fou. Ça monte vite, hein. Là, ça pique, là, par contre. Je vais le coffre en haut. Ok, il y a un marchand à mon côté d'ailleurs. Dilemme difficile. J'ai surtout plein d'objets. Je prends ça. Pour la résine de mes potions. Je peux tout se le rassembler avec la rapidité que j'ai. Hein. Voilà. On va se faire un beau paquet d'ennemis là. C'est tout noir. Demolisher. C'est Steam, je sais pas encore ce que c'est. Demolisher, de quoi tu parles? Détruire 10 000 constructions. Ben voilà, il a aussi eu. Hop, attaque pénétrante. Armure. Après le Dracula, c'est Dragon. le... suis en train de vraiment de puiser dans mes dernières forces physiques pour réussir cette run. Hein. Sache-le. Ça se ressent, t'inquiète pas.
Je n'ai plus de sang qui circule dans le bras gauche. Terrible. Y a des copains en bas. Je crois que le serpent a un peu mal aussi à suivre, hein, vu que t'arrives même plus à te rappeler ce qu'il y a après Dracula. Pourtant, hein, j'ai Ouais. vraiment. Hier, Pas j'ai tout, vrai. j'ai fait avec tous les persos, hein. Ouais, non mais justement, c'est pour ça que je dis que ça se ressent. Objet en bas. Chercher l'objet. Oh là là. J'ai eu quoi? Anneau de rajeunissement. Oh, je suis à 20, 33 de régénération de mana. C'est gigantesque. Gigantesque. N'importe J'avoue que je quoi. serais pas contre. Et 22 en régène de vie aussi. Par contre, j'ai pas beaucoup de points de vie. C'est l'inconvénient. Ah, il faut une clé en argent, j'en ai pas. Je suis en train de clear à gauche actuellement. Non mais je t'en prie, pas de soucis. Prends ton temps. J'ai ouvert un passage secret à gauche. En échange, je vais pouvoir échanger un item trash. Dans ce pire, t'as des ennemis avec toi. Enfin, un ennemi. Ça peut peut-être suffire à tuer, je sais pas. Y'a pas d'ennemis. Il y a des spawns, le bordel. Oh, je deviens taré, hein. Quoi? Ah, j'ai même pas pu voir ce que je voulais sur lui, moi. Coffre ouvert. Le coffre, c'est vrai. Item vert. Dégueulasse. En haut à droite. C'est quoi ça? D'abaisser la résistance des ennemis, c'est bien ça? Y'a rien à gauche. Y'a rien à gauche. Oh, nul, 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 il n'y avait même pas un passage secret quoi là. Là je vais leur faire des dégâts. Oh enfin. J'abaisse leur résistance avec mon attaque principale de 75%. Alors je crois que c'est du lifesteal que j'ai eu un dernier objet là. Ouais, c'est ça. De toute façon, je suis toujours là en support, Kazu. Vache, la vache, la vache, la vache. D'ailleurs, tu sais, je t'avais dit, ce serait bien qu'il fasse un item où tu utilises des potions automatiquement. Ouais. Bah, il existe, c'est un item épique. C'est la plume de je sais pas quoi. En gros.
Et genre ça utilise une potion au moment de critique fatale, tu vois, genre ça te fait des dégâts fatales, critiques. Et en vrai, j'étais contre le dragon de givre. Je faisais une run chiante, mais avec le pire perso. J'étais avec le Warlock. Ouais. Je déteste ce perso. Et comment dire? Bah ça m'a sauvé la vie en fait. Je me suis pris son gros crachat de glace et je suis pas mort parce que ça m'a tué automatiquement la potion. Meurs. Voilà. C'est quoi ça? 1 de puissance de compétence. 0,25 d'armure et de résistance par objet dans votre inventaire. Oh là là. Ah, je vais enfin résister aux dégâts. Par contre, j'ai toujours pas de points de vie. Mais c'est pas grave. Oh là là. Le peu qu'on Bon. meurt, Ne parle pas de malheur, s'il te plaît. Hein, j'ai pas hein. envie de mourir, moi. Là, on est sur la fin de la run, donc, et je me suis un peu réveillé. Qui m'envoie un message à cette heure-ci? C'est pas important. Petit monolithe. Coup rapide. De la Je suis une réflexe. mitraillette. Incroyable. Moi j'ai Je suis une la vraie mitraillette. réflexe. Régène de vie, bah sympathique. On peut faire la manœuvre, mais bon. Moi j'ai un minigun à la place de mon bâton. Coffre en bas à droite. Okay. Fontaine à droite. En plus, on est vert actuellement, en vrai. Coffre en bas à droite. Tiens, prends le redescend et quand tu vas à droite, t'as un passage secret, enfin un passage de verre. Ça va te mener directement à un coffre, enfin à un objet du coup. En effet, et c'est l'armure qui me donne 30 points d'armure. Par contre, ouais, niveau résistance, je suis une chips. Je suis une chips. Donc T'as les une clé rouges. rouge, incroyable. Je vois un joli coffre en or là-bas.
On a un cadeau inattendu, je ne sais où. Je vais le chercher. J'ai envoyé Eh ben, 144 000 pièces en ville. il m'a donné une clé de chaque. Rouge comprise. En rouge aussi? Ouais, donc là j'ai deux rouges. Nice. Moi je suis trop content, j'ai vraiment envoyé 140 000 gold comme ça, Nice. sans aucun problème. Oh là là. À 10 résistance, c'est bien. Donc c'est un peu les moments stressants là. Yes, les chemins de verre. Ah, viens voir là, sur la gauche, il y a toujours un chemin de verre. Ça fait tout le tour. J'avais juste un peu de visite. Pas de soucis. Le centre d'attaque J'ai power par rien, hein. item dans l'inventaire. Oui. Je suis dans la collection de. Ah, il manque un objet dans la Curious Case. Léon Chevalier, hop, terminé. On est un pont cassé d'ici. Pour appuyer à la droite, c'est sûr. Ouais, c'est mort pour aller à droite, donc on n'a plus qu'à se barrer. Allez, item rouge, dites-moi moins 25% de dégâts subis. Eh ben Est-ce je une l'ai. traînée de feu? Oh, mais je m'en fous d'avoir une traînée de feu. C'est moi qui l'ai eu le. C'est moi qui l'ai eu le moins 25% des caprices. T'as bien de la chance d'ailleurs, parce que bordel que ça me serait utile. Enfin, quoique, je subis pas tant de dégâts que ça en vrai.
Quand est-ce qu'il fait son crachat là? Là. Ok, ça va. Oula! J'ai pris un éclair, je me suis retrouvé dans la lune. What? Non mais en gros, si tu préfères, genre, je me suis pris un éclair, j'ai été désorienté, et là, le dragon m'a mis un coup d'aile, littéralement. Putain... J'attendais pas à ce que je fasse maintenant. Je te raise? C'est toi qui vois. Attends une seconde. Faut déjà que j'arrive à revenir. Ah, j'arrive pas à cliquer! Je crois en toi, Phila. It's the last. Ah, je vais pas voilà. Parler anglais, ça porte malheur. Ouais, tranquille, tranquille. Ça va passer. Bordel. Ah, oh, je suis fier de nous. Ah, oh, je m'aime. Oh ouais, là là. T'inquiéter. C'est chill. Oh la vache! Nouveau niveau max 35, on est déjà niveau 30. Ouais, enfin, surtout... Moi en tout non, cas. Si, bah si, en fait pour la blague, c'est justement, je suis arrivé à le level 30 juste un peu avant le dragon, bah du coup, tu peux aller jusqu'au niveau 35. Merci! Ah non, mais vraiment quoi! Oh là là! Oh patate! J'ai amélioré les bottes et les dégâts critiques. Ensuite, faut que j'améliore les anneaux. Genre, oh, je l'ai pas celui-là. Fais chier. Celui-là. Anneau de santé. Voilà. Franchement, chill, hein. Chill, chill, oh, hey, hein? En vrai, bah voilà quoi. Enfin, je veux dire, en vrai, ça va. Je trouve que ouais, c'était, voilà, c'était quelque chose qui était faisable et tout. Mais d'un autre côté, wow, c'est tellement, il y a tellement de pression en fait. C'est... Tu vois là, par exemple, j'aurais pas réussi à 13, je me serais pris un vieux rayon, genre un vieux comme ça du dragon. On aurait perdu la run. Ouais. Et j'aurais eu la haine. Concrètement. Donc bon. Mais ouais, vraiment pas facile. Hein. On est vraiment, moi j'étais à deux doigts de crever vers la fin, avec un éclair random que je me suis pris dans la tête. Puis au final, tout s'est bien passé. Et tant mieux. Ouais, je suis bon. Ensuite, on va aller voir ça là-bas. Qu'est-ce que t'as de beau pour mon pote? Hop. Du coup, en NG plus 3, j'imagine pas les debuffs, comment ils vont être puissants. Alors, ça c'est une game en NG 3 plus. Non, 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 non. Pas la motive là. Hein. De toute façon, je peux pas le faire. C'est toi qui je vais regarder juste les stats. Oh. 116, 140. Oh la vache. Oh. Ça fait mal. Franchement, ça fait super mal. Faut que j'améliore mon perso au max, moi, parce que vraiment là, ça devient critique.
Je l'ai même pas amélioré au max, hein. C'est triste. Eh ben, ça se ressent. Comment? Ça se ressent au niveau de l'armure, etc. T'es censé avoir un peu plus quand même. Non, non, l'armure, je suis maxé, hein. Ah, sérieux? Ouais, c'est juste que De là, ouf. vu que NG plus 3. Comment ça, t'as 196, toi? Ah, mais y a un rite de sang qui te donne 248. Là, je suis amélioré au max dans tout. Bon. Je pense que je vais faire une petite sieste là-dessus. Sur cette victoire. Que dire de plus? Ma victoire, quoi. Oh la vache. Passé. Ah du coup, je suis passé niveau 8 en titre de classe avec mon perso et j'ai 2,20 de régène de vie à tous les héros. Nice. C'est assez énervé en vrai. Ah oui, ouais. Rien que comme ça, je suis déjà à 10,95 de régène de vie. Sans rien d'autre. Hein. Sur ce perso. Bon. Fermer le jeu. Après, je vais faire un beau dodo. Crois que je t'ai cassé ton jeu. Non, non. Tant mieux. Hop. Demain, je suis encore de matin. Mais j'aurai un peu plus dormi. Genre. Ça devrait aller quoi. Si tu veux demain après-midi, je pourrais jouer a priori. On pourra voir. Sauf si je ressens le PC. Voilà. Voilà, je vais tester des trucs là, si je ressens le PC. De toute façon, Donc bon. t'as le temps, de toute façon. Mais oui. Allez, sur ce, je te dis bonne soirée, oui, évidemment. Bon après-midi. Merci pour les games. Bon après-midi à Incroyable, le NG plus 2 en un seul try. toi. Puis maintenant, prochain objectif, NG plus 3. Allez, repose ta Voilà, blessure. voilà. Yes. À la prochaine. Ouais, demain, Peace. on verra bien. Là, à plus. Et ben nous du coup on va se retrouver une petite reine Mario Kart.
Hein?